Salut à tous, Bêtises et du Libre, épisode 12. Et dans cet épisode, je vais vous parler de l'ultime distribution du Linux, comme elle s'intitule elle-même, la Xtix. Et je pense que côté bêtisier, là, on atteint du lourd, du couillu, du 36 tonnes. Oui, carrément le camion 36 tonnes. Avec la remorque qui va bien. Voilà ce qu'est la Xtix. Déjà, bon, c'est par rapport à sa dernière annonce de publication, la 18.7. C'est une distribution Ubuntu base qui déclare elle-même être basée sur Debian Stretch et Ubuntu. Ça commence bien. Il a remplacé GNOME par Xqt 0.12. Je crois qu'on est au 0.13 pour Xqt. Je vérifie en vitesse. Oui, donc déjà 0.13, une version de retard. C'est pas grave. Un noyau 4.18 RC5. Super, un noyau qui n'est même pas stable. Ouais. Autre bêtise. Blablabla. Bref, le plus simple, c'est d'aller sur une autre publication. Voilà. Donc, Xtone Linux. Ultimate Linux System. Ça va les chevilles. Les outils de Refracta. Le Calamares, un noyau 4.18.0 RC5. Ouais. Ce qui est marrant, c'est les petites notes en bas. Vous connaissez le principe des petites notes en bas dans un contrat écrit en police de 2 avec un poil de cul de chameau. On va descendre. Bon, bien sûr. Blablabla. Blablabla. Je vous laisserai tous les descriptifs si vous voulez vous amuser. Calamares, blablabla. Donc le truc habituel sur Calamares. Note spéciale. Xtix fonctionne bien en live avec VirtualBox et VMware. Si vous voulez utiliser, l'installer dans VirtualBox et VMware, sur une machine non UEFI, il faut remplacer le grub. Tiens, bon. Donc explique comment faire. Et voilà ce qu'il faut faire. Regardez-moi cette série de commandes. Il faut monter soi-même à la main un shroot, un chroot, et il faut passer la petite touche bordel. Ouais, je pensais que c'était un installateur de faire ce boulot. C'est soi-disant parce que Calamares est configuré, enfin conçu pour les PC à base de UEFI. Comment dire? Mon vieux bousin qui a maintenant, que je ne sais pas bêtise, presque 8 ans, c'est du BIOS. Et j'ai encore récemment, pour des raisons de test, j'ai réinstallé récemment une Manjaro Tuxedo Deepin avec Calamares et c'est passé dans le nez. Ouais. Donc, là, bien sûr. Ils disent aussi comment utiliser Refracta Installer, blablabla. Bref. Donc, j'ai récupéré l'image ISO depuis SourceForge. Et on voit que la sécurité est au cœur d'Xtix. Somme de vérification MD5. Ça fait quoi? Une dizaine d'années que le MD5 a été cassé? À peu près. Et un portable comme celui-ci, oh, ça casse un code MD5 en quoi? 3 minutes? Sécurité? Ouais. C'est vrai que le SHA 256, c'est pour les petits joueurs. Donc, j'ai récupéré l'image ISO et on va vérifier le code MD5. Comme ça, on pourra pas dire qu'il y a un problème de code MD5. Donc là, voilà. Ouvrez dans un terminal et on va faire MD5 sum. Xtix. Voilà. On va attendre quelques secondes qu'ils finissent de me traiter ça. Donc je vais sélectionner ça, coller, je vais faire un petit CTRL F et je vais le rechercher. Donc l'image est OK. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme il précise que c'est orienté UEFI, j'étais bête et méchant, j'ai créé une machine virtuelle avec de l'UEFI. Donc voilà, une base Debian Ubuntu, avec 2 Go de mémoire vive, tandis que c'est Xqt, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. UEFI activé, tout bazar. On est parti pour voir la gueule de l'engin. Déjà, le nombre de bêtises qu'il y a,
D'accord, j'oublie un truc. D'accord. Ah d'ailleurs, c'est parce que l'image ISO est mal sélectionnée. Autant pour moi. Choisir l'image ISO. Voilà. Allez, à du direct. On est reparti. Voilà. Donc là, on a un grub graphique, enfin un grub semi-textuel. Soit on l'a soit en anglais américain, soit en anglais Royaume-Uni, soit en espagnol. En anglais américain. Là, ça va démarrer. Mais c'est vrai qu'un noyau 4.18 non finalisé, c'est indispensable. C'est indispensable pour être l'ultime distribution GNU Linux. Bref. S'il n'y avait que ça. Donc là, apparemment, le réseau, on ne sait pas s'il fonctionne ou pas. Parce qu'on a deux gestionnaires de réseau. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. C'est pas tout. C'est pas que ça. Parce que si on regarde les logiciels en doublon, accessoires, 1, 2, 3 éditeurs texte. Éducation, graphisme. On a juste deux capteurs d'écran. Bon, mais ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Programmation, ok. Son et vidéo, c'est bon, on a juste deux lecteurs. L'un utilisant l'autre, bien sûr. Donc on a Calamares, PCMan FM pour tout ce qui est gestion de fichiers, et bien sûr Refracta. Voilà. Et PCMan FM, bien sûr, c'est une version obsolète. Mais c'est pas celui-là. C'est une version obsolète, une 0.12. Alors que nous avons déjà une 0.13 disponible sur l'Xqt. Voilà. Même ça, c'est pas la bombe, c'est pas PCMan FM Qt, c'est PCMan FM tout court. Ça continue. Bref. Ah mais. Je crois que j'ai vu un autre truc aussi, le système moteur système. Vous avez QPS dédié à l'Xqt, mais vous avez aussi l'indispensable outil de GNOME. On continue les bêtises, mais voyons, pas de problème. On va lancer l'installateur Calamares. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, accessoires, il ne vous attend pas. Voilà. Calamares. Bon, il va gueuler parce que l'écran n'est pas assez grand, mais peu importe. C'est pas ça qui a provoqué des bugs, mis à part des bugs graphiques, mais ça c'est pas bien grave. Donc là, on va lancer Calamares. Voilà. Voilà. Et bien sûr, là, on va se faire, on va pas s'ennuyer, on va juste se faire. Remarquez que par défaut, c'est notre connexion. Ultime, c'est vrai. La connexion par mot de passe, c'est pas suffisant, c'est dépassé, voyons. Oh! Donc là, ok, suivant. Et vous allez voir comprendre pourquoi il y a d'autres bêtises qui arrivent. Parce que certains écrans du diaporama de l'installateur sont un peu what the fuck. Pour qui a un minimum de culture informatique. Donc ça, je pourrais la fermer, j'en ai plus besoin. Donc là, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi je continue de laisser Calamares en tâche de fond. Bon, bien sûr, les commandes de CLI, ça c'est classique. Mais il y a d'autres trucs beaucoup plus marrants. Vous avez remarqué, le globe est à l'envers. Le fichier panic.c, en clair, quand un noyau pète un câble, il appelle les fonctionnalités de ce fichier. Super. Vraiment, si c'est de l'humour noir, bof quoi. Hein. Je connais mieux. Donc déjà, le canal, le fichier panic.c. Ouais, superbe. Non, la bagnole, on n'en a rien à foutre. Mais je pense que le prochain écran, il va vous plaire. Vous allez très vite comprendre. Et vous dire que certaines personnes ont peut-être abusé, dirons-nous, de... Comment dire? C'est pas celui-là que j'attendais, c'est un autre. Abusé, on va dire, de certaines substances qu'on déclare hilarantes. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, bien sûr, c'est toujours oscillant parce que par rapport à des... Voilà! Une fork-bombe en bâche. Bref. Ça, c'est très bien aussi. Amusez-vous à taper ce code dans un terminal bash, le code qui commence par les deux points, et bon courage pour reprendre la main. Voilà! Proposer une image de fork-bombe. What the fuck? Désolé. Ah oui, on monte vraiment dans l'ultime. L'ultime de la bêtise. L'ultime du complètement. J'avoue que là, je pense qu'on a dépassé toutes les limites de la bêtise qu'on a pu voir dans la série. Donc, que je récapépète. Soi-disant que les barres restent limitées au MFI. Des écrans complètement what the fuck. Une Logitech surchargée. Un noyau instable. Un XQT dépassé. 5. C'est bon. Déjà 5 bêtises. Allez, une petite sixième pour avoir la demi-douzaine. Donc là, on va attendre encore un peu. Mais déjà le bilan. Ouais! Ça y est, il avance enfin. Et normalement, on va pouvoir redémarrer. Normalement. Et on redémarre. Donc on va attendre qu'il redémarre. Là, bah, c'est normal parce que il a éjecté l'image ISO de la support d'installation. C'est normal que ça pousse dégueulante. Hein. Ça c'est très bien aussi. Donc sixième bêtise, on va dire. Allez, une petite septième. Ah, il redémarre. Enfin, du moins en théorie. D'accord, bon, on va redémarrer la mimine. Voilà. Ouais, le fond d'écran de grub est sympa. Mais ça donne juste l'envie de se gratter. Merci Zacharien. Donc, concap et pète. Le noyau instable. La Logitech complètement débile. LXQT obsolète. Calamares uniquement, soi-disant, pour l'UEFI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, ça aussi. Superbe! Vous êtes en mode d'urgence. Après, vous êtes logué, tapez blablabla. Système CTL. On va juste faire un système CTL default pour le faire démarrer quand même. Donc, je rentre le mot de passe. Et je vais mettre système CTL default. On va voir ce qui va se passer. Mais ça. Où je vais encore une jolie bêtise. Hein. Bravo! Superbe! Sûrement l'utilisation d'un noyau instable. Et on a perdu la personnalisation. Là, je crois qu'on a un total. Noyau instable, LXQT obsolète, Logitech complètement surchargé, Calamares soi-disant uniquement pour l'UEFI. Démarrage qui pète en vol. Redémarrage qui est complètement anarchique et qui gèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les écrans de présentation. À la fois le fork-bomb et le cri de panique. On en rajoute? Je pense pas. Ah, ben j'oubliais aussi les doublons par rapport aux connexions réseau. Comment dire? Piquez-le, c'est de le faire souffrir. Oui. D'ailleurs, ce qui reste à faire, c'est ça. Parce que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Allez, Hextix. Retourne là où tu aurais jamais dû sortir le néant. Voilà, vous avez compris que là, j'ai vraiment été très courageux, qu'on a atteint un total de bêtises incommensurables. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!